Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omniso Domou Gaye Ndiaye warul titre warul raga donc Lyon actuellement ñuy préparer Cannes bi feulé ci Alicante feulé ci Espagne donc Lyon yu bari wax nañ donc surtout Alfred Ndiaye il est de retour dans la tanière parce Alfred Ndiaye sonom jéxagul won parce ñom dañ jouer 42 journées motax sen championnat bi yag 2ème division finalement ñoy jël 3ème dañ jouer play-off mais sans Alfred Ndiaye né je suis triste pour Malaga mais il faut que je réponde à l'appel du sélectionneur à l'appel de moi patrie de mon pays le Sénégal Domou Gaye Ndiaye warul titre war motax donc Alfred Ndiaye a rejoint la tanière feulé ci Alicante donc Malaga l'a quitté dem feulé ci Alicante donc le meilleur terrain du Sénégal Alfred Ndiaye quitte son club qui joue actuellement les playoffs pour rejoindre la tanière de motax Alfred Ndiaye il est de retour mais néna def bras de fer hein, parce que il y a des informations qui ont circulé né donc dafa def bras de fer pour quitter Malaga parce que Malaga dako bëggonté mais néna ils ont donc réglé les choses à l'amiable donc labialement niko tafaturé di wax donc sans problème dañu waxtan ba djubo gay baye ko mu dem et ils vont continuer les playoffs sans Alfred Ndiaye donc sayuma rek mom manké goum à l'appel mom dañ ko mayon 10 jours de repos faut mu dalu notre meilleur joueur après une saison aboutie donc Moussa Wagé néna élimination Lyonsoy maintenant ça nous a fait mal l'ancien latéral droit de l'équipe nationale U20 Moussa Wagé qui actuellement à Alicante a exprimé sa peine après l'élimination des Lyonsoy du Sénégal néna élimination maintenant mais donc c'est la loi du football on ne peut qu'accepter cette élimination donc pas aussi c'est néna la concurrence est saine donc le roc de Pikine de coup Ibrahim Sédar Sène Momo Faye de Sama Ndiaye néna donc Pape Abou Cissé néna donc concurrence est saine sont des joueurs sont des compétiteurs donc il y a la concurrence mais elle est loyale et saine donc lolu dans la tanière ñep ngi xatchando di doro ndo donc Mbaye Diagne aussi néna nous sommes dans un bon cadre néna donc les Lions sont dans un bon cadre et donc ils espèrent réaliser de très belles performances parce que Mbaye Diagne il doit prouver avec l'équipe nationale du Sénégal donc Lamine Gassama néna aussi maintenant on a assez d'espérance c'est clair que Lamine Gassama mom mi nga xamné depuis 2015 mu ngi fi donc il a disputé la CAN 2015 CAN 2017 mom ak ay Sadio Mané ay Cheikh Kouyaté je pense que il ay ñom gan nga ñom dañ mëna apporter cette expérience ay Salif Sané donc maintenant néna ils sont matures je pense que avec maturité bobu expérience bobu normalement dañ ko mëna indil équipe nationale du Sénégal comme niko momo di waxe espérance lañu gaay di gagner mais je pense avec 3 coupes d'Afrique des Nations gaay am nañ assez d'expérience pour s'imposer donc sur le toit de l'Afrique donc Tanguy FC gagné na donc la coupe du Sénégal donc Tanguy FC deux coups Mor Diop El Capo et Mohamed Sey ma leen di beuyé bu baax donc Tanguy FC vainqueur de la coupe du Sénégal donc Tanguy dafa patal donc qui di goré 1 but à 0 avec un but de Bouba Sall mo dougal le seul but de la rencontre à la 51e minute de jeu donc le club de Babacar Ndiaye remporte donc la coupe du Sénégal ñom nañ jouer la coupe de la CAF l'année prochaine donc Tanguy gagné un titre pour les équipes russes quoi parce que 42 ans 42 ñen fukki at ak ñaar amul équipe Tanguy bu gagner coupe fi ci Sénégal donc ça c'est une belle performance pour l'équipe de Babacar Ndiaye donc gis nañ né aussi donc ki di donc Sadio Lyon mu ngi daw feulé donc là les Lions sont dans de bonnes conditions donc là on espère que dañ préparer boire CAN bi après et ñu coupe bi parce que coupe lañu bëgg si c'est coupe lañu bëgg